Salam alaikum à tous. Je fais cette petite vidéo là pour vous parler de l'association Enfance Espérance du Var qui se trouve donc à Marseille. En tout cas, le président qui va vous parler dans cette vidéo se trouve à Marseille et va vous présenter son association Enfance et Espérance du Var parce que vous avez vu que je fais pas mal de choses en ce moment pour essayer de lever des fonds pour acheter un fauteuil roulant pour Abdelkader, voilà, que vous pouvez suivre sur TikTok aussi également, et on en a un petit peu déjà parlé. Donc, il me paraissait important que le président de l'association Enfance et Espérance du Var puisse parler. Voilà, je lui laisse la parole et je vous reprends tout de suite après. Voilà, je me présente, je suis le président de l'association Enfance et Espérance. Je fais cette vidéo à Marseille. Justement, je suis à la gare Saint-Charles, vous voyez, sur Marseille, je suis dans les hauteurs de Marseille. Je fais cette vidéo tout simplement pour présenter l'association Enfance et Espérance. Voilà, l'association Enfance et Espérance existe à peu près depuis 10 ans, 10 ans qu'on œuvre pour aider les enfants et les mamans des pays du Maghreb. Donc on essaie de faciliter justement, on essaie de trouver des solutions pour essayer d'aider justement ces enfants et ces mamans à trouver soit des traitements ou soit les faire venir hospitaliser pour des opérations assez lourdes où il n'y a pas les capacités parfois de les faire au pays du Maghreb. Et aussi on intervient aussi, on leur offre du matériel médicalisé, ça peut être des fauteuils, des lits médicalisés, ça peut être aussi des ambulatoires, tout ce qui est matériel, voilà. Donc tout ça, c'est l'association qui œuvre, qui aide, et mais tous ces dons qu'on reçoit, c'est tous des dons des gens comme vous, particuliers, des privés, on n'a rien de subvention de l'État, on n'a rien du tout, on est indépendant, on essaie de trouver des fonds pour essayer de justement essayer de boucler des projets. Alors tout simplement, je fais cette vidéo parce qu'on m'a demandé de la faire. Donc je voulais vous dire aussi que l'association travaille sur au moins 3 projets, dont un qui est depuis 2 ans, on essaie de se battre, c'est pour Taoufik. Alors, ils ont aussi une page Facebook que je mettrai dans la description où vous pouvez voir vraiment toutes les actions qu'ils font sur le terrain. Et de notre côté, à nous, on a décidé aussi de faire une action, tout simplement. Vous savez que j'ai des imprimantes 3D et avec ces imprimantes 3D, j'ai décidé d'imprimer des petits porte-clés, voilà, des petits porte-clés avec le logo de l'association. Voilà, ils sont comme ça, les petits porte-clés, avec le logo de l'association. Et ces petits porte-clés, j'ai décidé de les vendre. Voilà, on les vend 2 euros. 2 euros, c'est pas excessif. Vous pouvez les acheter sur Objet 3D, sur le site LV3D officiel, bien sûr. Et la totalité des bénéfices sera reversée à l'association Enfance et Espérance du Var. Alors, pour faire un petit porte-clés, hein, c'est pas très compliqué. On fait comme ça. Comme ça, comme ça, et c'est parti. Il faut à peu près 13 minutes pour imprimer un porte-clés. Le porte-clés fait 1 gramme. La modélisation a été réalisée par notre équipe de chez LV3D. Donc, si vous avez aussi, vous, une association et vous voulez faire la même chose, vous voulez par exemple faire des porte-clés pour les vendre à l'effigie de votre association, eh bien, pensez à l'impression 3D, pensez à LV3D, puisque c'est des choses qu'on peut faire, modéliser. Où on vous donne le fichier et vous imprimez vous-même avec une imprimante 3D. Et pour démarrer dans l'impression 3D, tout de suite, dès maintenant, vous pouvez démarrer tout de suite avec le pack LV3D génial, par exemple, pour moins de 400 euros. Lien dans la description. Mais si vous ne souhaitez pas démarrer dans l'impression 3D et vous voulez qu'on imprime pour vous des petits porte-clés ou des petites choses, des petites goodies à l'effigie, au logo de votre association et faire des dons ou les vendre à moindre coût pour pouvoir récupérer des sous pour financer un projet associatif, bah écoutez, n'hésitez pas, faites appel à nous. Voilà, j'en profite pour faire aussi passer ce message. Et puis, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à acheter ce petit porte-clés, puisque, encore une fois, la totalité des bénéfices sera reversée à l'association Enfance et Espérance du Var. Voilà, c'était vraiment une petite vidéo, coup de pub, coup de cœur. Vous êtes bien sur la chaîne d'Ibrahim Karl, une chaîne qui vous parle du cœur, qui vous parle souvent des rappels sur l'islam, mais aussi de temps en temps potager, bricolage, et puis ce soir, un projet associatif. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, et puis je vous dis à très 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 bientôt. Salam alaikum.